petite soirée, mon salaud. Tu vas pas être déçu. Au revoir, Sandra. Au revoir. Tu m'expliques c'est quoi ce bordel? Mais quoi? Quoi? Tu n'as pas fait la réservation? Mais j'avais pas que ça à foutre. Et on fait comment maintenant? C'est ça ton plan? Se retrouver chez moi. Guillaume ne va pas me tromper. Il me l'a promis. Sandra, il est en train de niquer une pute. Tu crois vraiment qu'il va rester sage? Mmh. Oh, t'as la peau toute douce. Je pensais pas qu'il était capable de faire une chose pareille. Est-ce que tu peux revenir, s'il te plaît? Je te rappelle. Je t'aime. Non mais où est-ce que tu crois que j'ai trouvé une somme pareille? T'as le choix, Guillaume. Soit t'acceptes, soit je détruis ta vie. Il rappellera pas. Chut. Ça fait 3 heures qu'il est censé te rappeler. Oh, tu vas pas t'y mettre toi aussi. Non. Passe-moi ta clope, s'il te plaît. Merci. J'étais excitée à l'idée de me marier avec Guillaume et de perdre ma virginité. Tu sais que j'en souffre. Faut pas que tu t'arrêtes à ta virginité. Tu sais que je suis chrétienne et que je me suis mis plein de barrières à cause de ça. Plein de restrictions. En tout cas, je pourrais pas lui pardonner. Ça, non. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Qu'est-ce que je compte faire? Bienvenue au club détente d'Esterné. À 18h, concours de hula hoop. Vous pouvez passer chercher vos cerceaux à l'accueil auprès de Josette. 19h, remise des trophées du concours de pétanque. 20h, dîner fruits de mer, langoustines, écrevisses et bigorne. À 21h, n'oubliez pas notre grand concours de solo. Jérémy au platine. Le record de l'année dernière reste à battre. 2h32. Ce soir, ce sera caliente. Qu'est-ce que tu fais? Mais arrête! Soit t'acceptes, soit je détruis ta vie.
plaisante pas. Je vais te détruire. Mais t'es un enfoiré, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. Dix heures. Qu'est-ce que tu fous là? Elle est où Sandra là? Je suis désolée. Quoi? Pourquoi? J'ai essayé de la retenir mais... Va-t'en, s'il te plaît. Faut pas que tu restes seule, Guillaume. Laisse-moi, va-t'en. Va-t'en, Jeanne. Et Guillaume... Casse-toi. Casse-toi! T'as raison, reste seule. Malgré toutes les larmes que j'ai versées, j'ai décidé de partir la tête haute. Je renonce à notre mariage. Je renonce à vivre avec toi dans le déni. N'essaie pas de me retrouver. Je suis actuellement loin à l'heure où tu lis ce message. Je te quitte, Guillaume. Casse-toi. Casse-toi. T'as raison. Reste seul. Lorsque t'en arrives à ce stade, t'as l'impression d'être réduit à l'état de merde. De sous-merde même. Tu ne cherches plus à vivre. Tout juste à survivre. Tu commences par des litres et des litres de café pour terminer au whisky. Sans compter le nombre de clopes que tu t'enfiles. Lorsque tu te sens crevé, alors là, tu passes à beaucoup plus fort. J'ai jamais compris pourquoi je consomme cette merde. Certainement parce que ça me permet de me sentir invincible et de faire abstraction de la souffrance. Je suis ce putain de soldat Ryan que personne ne viendra sauver. Je suis un combattant dans sa tranchée qui, lorsqu'il part se battre, s'enfile une bouteille de vin. Et quand il te reste plus rien, la réalité te rattrape et finit par te remettre à ta place.
Salut, je suis Naomi. Guillaume, vas-y, entre. Qu'est-ce que tu prends? Tu veux un whisky, un schnapps? Bah comme toi. Je me suis pas non plus, hein, parce que sinon c'est le comédie qui assure. Je suis pas très bien en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les femmes ne m'aiment pas. Pas toutes non plus. En tout cas, t'auras pas de soucis avec moi si tu prends soin de moi. T'as déjà pris de la coke? Non. T'as un joint là, si tu veux. Je fais une ligne pour toi, une ligne pour moi. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on tombe raide. Ok. Surtout, tu souffles pas dessus, tu te colles ça dans la narine et t'aspires. Sandra? C'est toi, Sandra? Tu as encore bu, Guillaume. C'est toi, Sandra? Tu ne m'as pas quitté? Si. J'ai pas bu aujourd'hui. Pourquoi tu continues à mentir? Pourquoi tu m'as trompé? Je sais pas, j'ai pété les plombs. Je sais qu'il est trop tard pour changer les choses maintenant. Jean, Diego, Amine, ils m'ont poussé à bout. Non, mets pas la faute sur les autres. Toi seul est le fautif. Sandra, je t'aime, je ne veux pas te quitter. Tu peux parler au passé, à présent. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Ça va, Guillaume? Oui, ça va, j'ai dû avoir un petit moment d'absence. T'es sûr ça va aller? Oui, t'inquiète. J'ai vu pire. Faut déplier ce truc-là. Quel âge? 17 ans. 17 ans? Ouais. Et toi, ça fait combien de temps que tu prends cette drogue? Je sais pas, je dirais... dans les 10 ans, quelque chose comme ça. Non, tu me fais marcher. Non, non, non. Pour être précis, ça fera 11 ans le mois prochain. Tu comptes fêter ça? Absolument. Est-ce que tu connais une pute qui s'appelle Monica?
Ouais. Mais maintenant, elle s'appelle Béné. Pourquoi t'as des soucis avec elle ? Petit caprice financier. Tu vois, normalement, à l'heure qu'il est, je devrais être mariée. Ah. Mais tu sais, elle fait ça à tous ses clients. Elle connaît bien son rôle, donc si tu veux mon avis, va voir la police, ça vaudra mieux pour toi. Non, ça, je peux pas. Je peux peut-être te filer une adresse. Tu devrais la trouver. Tu veux de l'argent ? Garde-le. Bah, il y a un mec qui s'appelle Drex. Et il rigole pas. Donc fais gaffe. Et surtout, tu lui dis pas que je te l'ai filé. T'inquiète. J'ai dû partir tôt ce matin pour aller en cours. N'hésite pas à me recontacter. Je t'embrasse. Naomi. Hey, tu vas où là ? Je vais voir Monica. Attends. Ouais, Drex. Ouais, je sais pas, y'a un mec là qui veut voir. Je te dérange pas là ? Ah, ok. Ouais, y'a un mec qui veut voir Monica. Putain, j'arrive. Ok, je dis ça, ça va. Patiente, il arrive. Tu vois cette crosse, mec ? L'idée, c'est qu'elle t'explose pas ta putain de gueule. Ce mec m'a collé un putain de flingue sur la tempe. Mais comment t'as fait pour te mettre dans ce merdier ?